quelques instants, je céderai la parole à notre ami Marc Goblet, président de FGTB Liège-Buarem, à Julie Fernandez, notre secrétaire d'État, et à nos ministres wallons, Jean-Claude Marcourt et Michel Dardenne. Sur le plan politique, les valeurs de solidarité de la gauche, en général et les concepts collectifs et socialistes d'organisation de la société, sont de plus en plus délaissés en faveur des visions individualistes et égoïstes de la droite. Plus de solidarité, en augmentant les pensions, en supprimant progressivement la cotisation de solidarité, en aidant les personnes malades, notamment via le plan cancer, ou encore, et ça me tient à cœur, vous le comprendrez, en supprimant le prix de l'amour, cette mesure injuste qui pénalisait les personnes en situation de handicap dans leur vie de couple et leur vie affective. Mais celui-ci, pour moi, est un 1er mai d'exception. Et je vous dirais que cette année, ce 1er mai se pose dans un contexte particulier, et je ne résiste pas à la tentation de le dire. Voilà que le Standard est champion. Il y a 25 ans qu'on attend. Ça peut quand même être souligné, hein, camarade. 25 ans. Mais non content de ça. Voilà que le football club liégeois est champion aussi. Ça, ce sont des signes tangibles qui montrent que Liège évolue, monsieur le bourgmestre. Voilà. Tout bénéfice pour vous, monsieur le bourgmestre. Thank you.